J'ai bugué le jeu. Non mais mec, ça fait 3 minutes que je joue, t'es déjà la tête dans un crayon là. Tu suces un crayon là, moi, ma petite chouette. Et salut tout le monde, bienvenue sur T-Gaming, c'est Thomas. Aujourd'hui on retourne un petit coup sur le Game Pass pour jouer à un jeu que j'ai vu. Et je me suis dit, mais faut trop que je le teste. Et j'aime les petits jeux à la con, je crois en fait. C'est le jeu qui s'appelle Skatebird, qui est totalement repris sur Thrasher au niveau de l'écriture, je trouve personnellement, et j'ai clairement l'impression que c'est ça, où on est un oiseau qui fait du skate. Voilà, c'est tout. On est un oiseau qui fait du skate, je pense que j'ai rien d'autre à dire, on se lance tout de suite. Je sais pas combien de temps ça va durer cette petite vidéo, mais quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé mes époques Tony Hawk, je me suis dit tiens j'ai envie de jouer. Oh je peux créer mon petit oiseau. Attends. Oh, un cacato S2 FPS, je veux ça moi. Perroquet. Vous voyez vraiment une grosse différence? Ah si si, le bec est différent. Ah si 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 si, il y a quelque chose. Oh, on dirait un hibou. Oh je veux. Est-ce qu'il n'y a pas un petit hibou? Que j'adore les hiboux. La petite chouette rayée parce que le million. On va lui mettre un... Celui-ci, chapeau, j'adore. Oh oui, non mais oui. Attendez, est-ce qu'il y a un chapeau? Puis attendez. Oh oui, attendez, est-ce qu'il y a moyen de faire Dumbledore? Oh oui. Oh, une petite écharpe, ah oui, je veux. Ah, mais je valide ça à 500%. Attendez, je vais passer plus de temps à habiller mon oiseau qu'à jouer avec. Maintenant, j'ai créé l'oiseau. Attendez, c'est quoi ce bordel? Je peux pas jouer? Ah, ça y est. Non, mais regardez-moi cet oiseau. Regardez-moi cet oiseau. Ah, attendez, faut que j'apprenne comment ça se joue. J'ai l'impression que ça se joue vraiment comme du Tony Hawk. Fais voir ça. On peut faire des ollies. Je peux crier. Je peux battre des ailes. Oui, je suis. Je dis oui. Je dis. Ah mince. Alors je peux faire deux ollies dans les airs, ce qui permet d'aller plus vite. Ok. Je peux faire des grabs. Oh oui. Ouais, clairement, c'est du Tony Hawk au niveau du gameplay. Hein, ouais. Regardez ça. Ah bah, très cher. Ouais, j'avais raison. J'ai bugué le jeu. Non mais mec, ça fait 3 minutes que je joue, t'es déjà la tête dans un crayon là. Tu suces un crayon là, moi, ma petite chouette. Je peux pas le débloquer, t'es sérieux? Ah si. C'est pas grave, c'est bon, c'est passé. Arrête. C'est quoi ce jeu? Je comprends rien. Bon par contre je peux crier et ça. Bon le jeu n'est pas extraordinairement beau. Faut quand même dire ce qu'il y a, hein, mais la caméra elle part complètement aux fraises. Et quand tu tombes, tu peux t'envoler, c'est mignon, mais... Je promets qu'à mon avis, ça ne va pas être une très très longue vidéo découverte. Attends, est-ce qu'il y a des missions, moi? On peut juste patiner. Attendez. Oli, flip trick, ouais, grind. Et je sais pas pourquoi, mon oiseau s'excite toutes les 3 secondes, là, avec ses ailes. Il me perturbe, cet oiseau. La caméra, elle est complètement allumée. Je n'arrive pas à faire ce que je veux. Ouh. Non mais sérieux l'oiseau, s'il te plaît. Je voudrais faire une belle session. Montrer que ce jeu peut être au niveau d'un Tony Hawk. Mais le vrai Tony Hawk, pas le Tony Hawk des vrais quoi. Au pire le Underground, si tu veux, pas les derniers en date. Bien que les derniers en date sont critiqués, mais ils ont quelque chose aussi. Enfin il faut aimer, voilà. Je trouve que la licence s'est un peu perdue. J'aimerais juste savoir s'il y a moyen de faire autre chose parce que là... Mais non! Vas-y Dumbledore là, fais un effort! Est-ce qu'il y a moyen... Non, non, arrête, 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 arrête. Je crois que ça va être une des vidéos les plus courtes du monde parce que je crois que j'ai déjà fait le tour du jeu. Combien je lui mettrais si je devais mettre une note? Pas grand chose. Oh, 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 bah non. Pour l'instant, l'amusement est à peu près à 2-3 minutes d'amusement. Après, il y a peut-être parmi vous des pros de Skatebird, hein, et c'est juste que je suis très très mauvais, hein. Voilà, regarde ça. Ça tient aussi longtemps que je veux. Je peux tenir indéfiniment. Et hop, regarde ça. Même au niveau des figures, c'est ultra basique. Oh, attends, j'y suis presque. Bon, je suis passé. Ah les salopes. Je m'en étouffe. Ah les salauds. Attends, y'a peut-être moyen de faire un panier. Attends, il repart là.
suis obligé de freiner en même temps, mais j'ai vu qu'il y avait un panier de basket. Est-ce qu'il y a moyen? Non, trop là! Non, trop! Ah, je suis dégoûté. C'est pas grave. Il veut quoi, lui? Ah, il y a des missions! Purée, ça y est! Faire un tour flip. C'est quoi un tour flip? Non, c'est pas ça. Attends, est-ce que ce serait ça? Ah, c'est ça. Ok, mission faite. Allez, donne-moi des missions, on s'en fout de votre histoire. Moi, je suis un pigeon, je suis une chouette. Trouvons un pigeon, prendre de la vitesse. C'est parti. Yes! Et à partir de là. Mais non, mais je voulais pas faire un transfert, non! Oh! Cette réception. Hop. Oiseau. Trouver le chargeur du grand ami. Je pense que le grand ami, c'est. C'est le patron. Enfin, c'est. Ok, je pense que c'est l'humain. Me dis pas qu'il est là-haut et que j'en viens. Ah là! Oh tiens, enfin, j'allais beaucoup plus vite que ça. Bah, à tout de suite avec l'émission. Voilà, ça devient plus intéressant. Bon, par contre, faut vraiment que j'arrive à trouver comment sauter plus haut. Parce que je suis à fond au niveau vitesse. Hein. Allez-y. Yeah! C'est bon. Le jeu est ultra permissif au niveau des retombées, j'ai l'impression. Attendez, je vais tourner pour voir. Ah non, pas tant que ça. Bon, le pourcentage amusement a dépassé les 3 minutes. Maintenant que j'ai des missions, ça a dépassé les 3 minutes. Faut dire ce qu'il y a. Si j'étais un oiseau, où est-ce que je serais? En fait, c'est des oiseaux qui ont été dressés par un humain pour faire du skate. Les musiques sont bien, hein. Ça, faut pas l'enlever, les musiques sont vraiment sympas. Alors, graines sur le bol à soupe. Ah, c'est pas là, ici. Merde, mais t'as là, j'avais réussi. Mais non, mais tout à l'heure j'avais réussi, j'avais fait un truc trop beau. Ah, ça y est, regarde ça. Le petit bol. Hop. Et c'était pas le bon bol. J'avais le choix entre 3 bols et il a fait que ce soit pas le bon. Faire le tour de décrochage sous cette tasse. Je n'arrive plus à avancer. Le tour de décrochage sous cette tasse, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ah! Attends. Ça, si c'est ça, ok, il faut que je m'arrête devant chaque tasse. Ok. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est rester appuyé sur la touche Y ou triangle si vous avez joué à la manette PlayStation. Voilà. Tout simplement. Super. Il y a un truc. Je l'ai vu. Nous l'avons tous vu. Non. Je veux ça. Qu'est-ce que c'est ça? Oreille de lapin. Je sais pas ce que c'est, mais je le voulais. Donc en plus de nous exploiter en nous faisant faire du skate, et on doit en plus faire le ménage. Là, il y a une cassette. J'ai vu la cassette. Allez, vas-y, grimpe. Allez. Putain, il a pas réussi. Non, saleté. Je veux la cassette. Mais non, je veux la cassette, moi. Cassette. Mais vas-y. Voilà. Non, mais je suis allé trop loin. Ah, ça y est. Et je suis pas assez loin. Oh, ça va me saouler. Allez. Tout ça pour une cassette et je sais même pas ce que ça me rapporte. Non, mais... Et mon oiseau est bloqué. J'ai bloqué le jeu. Descends de ton skate et vas-y à pied, bordel! Utilise tes ailes! Allez! Les ailes! Allez! Non, pas dans l'angle, mais putain! Mais défaut! Putain, c'est quoi ce transfert? Ce transfert de l'enfer, oui! Attends, on est. Non! Attends. Voilà! C'est juste pour me déverrouiller une musique! En fait, c'est que là, je peux le contrôler quand il roule. Et là, voilà, là, je peux faire des pseudo-contrôles. Ah, c'est cool, j'ai réussi à récupérer la musique. Par contre, ils ont tout compris dans l'ambiance au niveau des musiques. Hop les, des lunettes de science. Je trouve, au niveau musique, ils ont tout compris. Oh les, regardez, est-ce qu'il y a un truc par là? Rien du tout. Est-ce que j'essaierai pas de mettre un panier pour terminer? Allez. Hop, transfert. Non, pas là, pas par là. Voilà. Je suis bloqué sur les touches. Je raide sur les touches.
Oui, panier. Et je suis bloqué, on est d'accord? Est-ce que si je vais assez vite... Est-ce que si je vais assez vite, il y a moyen de ressortir? Oui, il y a l'air. Allez. Ou pas du tout. Je me suis bloqué comme un nul. Je me suis bloqué comme un nul. Je peux plus sortir du panier. Mais non. Attends, si si je peux. J'ai presque réussi. Vite, fais un ride, fais quelque chose. Un slide. J'oublie toujours que j'ai deux au lit en fait. Attends, regarde ça, regarde ça. Merci la physique. Je crois que j'ai fait cracher le jeu. Ah non, c'est bon. Oh bah carrément j'ai des messages d'erreur. Ça sent pas bon. Ça sent l'échec. Le jeu commence à saccader pas mal. Je pense que là, ça y est, nous sommes perdus. On va devoir recommencer. Je dirais pas que c'est un mauvais jeu. C'est juste que ouais, c'est un jeu qui est fun, qui t'amuse. De là à le payer, je suis pas sûr. Dans le Game Pass, ouais, clairement, ça, c'est fun, c'est fun. Vous aimez le skate, vous avez voulu un petit jeu qui se prend pas la tête, vous pouvez le faire. Bah qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai un enfant qui vient squatter la vidéo. Il veut finir la vidéo avec moi. Hop. Voilà. Oui, c'est des oiseaux qui font du skate. Je vous dis à la prochaine. Des bisous. N'oubliez pas de vous abonner. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Jouer des oiseaux qui font du skate, c'est marrant, 5 minutes, mais ça vaut pas le meilleur jeu de skate, hein, ça c'est sûr. Allez, des bisous. Salut.